J'aimerais saluer aussi le notable. Et non, le chef, c'est ça. D'où voilà. Voilà, c'est tout ce ménage. Oui, moi, pour l'année. Amen. Comme moi, je suis votre chef. C'est moi qui suis le chef des chefs. Vous êtes chef, mais moi, je suis votre chef. Bah, si je suis devant, vous n'avez pas mangé l'homme ici. Voilà. Nous, quand en haut, vous ne mangez pas, on regarde en bas. Stop. Alléluia. Voilà, donc merci le chef, merci tout le village de Zaroko. C'est pour dire, nous respirons Zaroko, nous pensons Zaroko. Il faut que Zaroko avance. Pour nous, il faut que Zaroko soit développé. C'est vrai que les gens parlent, l'on s'en fout de ce qu'ils disent. Parce que nous regardons l'essentiel, c'est que Zaroko soit délivré. Et si Zaroko est délivré, qu'est-ce qu'il doit maintenant rentrer à Zaroko? Vous-même, vous avez des yeux pour voir. Amen. Yaro qui rentre à Zaroko sans problème. Amen. J'ai dit, les gens peuvent mal parler de Crasso. Mais avant Crasso, et pendant Crasso, je vais mettre de la comparaison. Amen. C'est tout, on ne reconnaît qu'un homme de Dieu au travers de ses œuvres. Pendant que les gens parlaient mal de Jésus, il dit, c'est vrai, même si vous parlez mal de moi, mais à cause de mes œuvres. Depuis que nous avons mis pied ici, c'est les sorciers qui meurent. Vous pouvez aujourd'hui voir vos petits-enfants grandir. Ah oui, nous avons reçu un combat. Parce que chacun était prêt à rentrer dans une marmite. Chacun était prêt à manger son enfant ou son papa, ou sa maman, ou sa tante. Et nous avons eu un combat farouche. Cette étape est passée. Oui, cette étape est passée. Maintenant, il faudrait qu'une étape très importante paraisse dans le village, c'est l'étape de la bénédiction. Et nous ne cessons de prier pour ça. Parce que déjà de l'eau, c'est source de vie. Quand j'ai rentré dans le village, j'étais confronté à l'eau. Tous nos mamans allaient au marigot. Or la Bible dit, c'est l'éternel, la bénédiction de Dieu qui est enrichi. Même si les gens avaient les bonnes intentions, les politiciens, s'ils voulaient même réaliser les choses, mais il y a un monde que souvent les gens ignorent, le monde des ténèbres. Eux, ils vont dans le noir là-bas et puis ferment le développement. Et vous savez le combat que j'ai mené ici. Les sorciers m'ont frappé trois fois d'aveuglement ici. Et quatrième fois, j'ai pris la relève. Je leur ai arraché la clé de l'eau. Et vous avez reçu de l'eau, buvez de l'eau. L'ancienne route a gâté ma voiture. Le carter est gâté. Et c'est nos prières. Il y avait un génie à Didoko. Chaque fois, il partait le chasser. Et puis, un de mes fils spirituels est venu. Et sa voiture est coincée dans la boue. Alors, ce jour-là, j'ai pleuré. C'est des gens qui apportent le développement. Nous voulons faire rentrer les gens dans notre village qui s'appelle Zaroko. Ils viennent avec leur voiture luxueuse, ça se bloque. Ils ne veulent plus jamais voir ça. Amen. Parce que nous allons déplacer des gens qui vont venir à Zaroko. Ils viendront ici découvrir Zaroko. Et aujourd'hui, voici. J'attendais l'ouverture de cette voie pour venir. J'ai traversé du coup. À Zudoko. Nous ne venons pas vous parler, non. C'est mon fidèle. Tu n'es pas dans la même église que nous. Ça ne nous intéresse pas.
Qu'est-ce que Dieu fait pour mon village? C'est tout. Mais bon, tu es catholique, tu es méthodiste, ça ne m'intéresse pas. J'ai un problème avec la sorcellerie. Si tu manges l'homme, tu auras un problème avec moi. Si tu viens bloquer la vie des gens, tu auras affaire à moi. Amen. Je voyais les églises parler. Moi, ça m'intéresse. Je ne fais pas parler avec une église. Une église va m'insulter, je ne vais jamais répondre. Jamais. Amen. Parce que moi, mon palais, ce n'est pas comme ça. Le combat que je mène, c'est contre les forces des ténèbres. Et vous savez qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. J'ai entendu beaucoup de choses, des injures, des humiliations. Mais je n'ai jamais abandonné Zaroko. Je n'ai jamais abandonné Zaroko. Et je n'ai jamais abandonné Zaroko. Amen. Aujourd'hui, j'ai traversé le village sans problème. J'étais en train de bénir le nom du Seigneur. Amen. Non, Dieu n'est pas lui. Non, il est comme ça. Bon, quelqu'un, Dieu n'est pas lui. Est-ce qu'il n'a pas de village? Vous, Dieu, vous avez fait quoi? Depuis vous êtes là, il y a eu quoi ici? Il y a eu quoi? C'est ça la comparaison, c'est les œuvres. On dit on reconnaîtra là par ses fruits. C'est les fruits. Si c'est mangué, c'est mangue, ça a donné. C'est comme ça. Si c'est orangé, c'est orange, ça a donné. On ne reconnaît que l'homme de Dieu par ses œuvres. Nous avons apporté la vie ici. C'est ça qui est important pour nous. Sinon, moi, les petits côtés, là, ça ne m'intéresse pas. Crasseur comme ça, il est comme ça, ça ne m'intéresse pas. Je veux le développement des hommes. C'est mon combat, ça. Aujourd'hui, il y a de l'eau. Vos petits tenis sont en train de mourir. Les enfants, là, c'est tant qu'il y en a. C'est-à-dire, l'enfant, il mange quand... On est bien d'accord. Il ne s'agit pas. Oh non. Il vit trois marmites avant de dormir. Ça connaît bien. Or là où il n'y a pas de l'eau potable, il y a la maladie. Il y a toutes sortes de maladies. Il fallait mener ce combat-là. Et vous-même savez comment les gens font des aveux ici. On dit que c'est eux qui bloquaient de l'eau. Le Seigneur opérait le miracle. Amen. Nous avons un château d'eau. Gloire à Dieu. Vous avez la route. Or, le jour où vous découvrez qu'une route passe chez vous, c'est que tout va rentrer. Ça, c'est un signal très fort pour Dieu. Je ne sais pas sortir ailleurs. Il s'est sorti à Zaroko ici. Je suis allé expressément voir l'entrée. J'ai vu comment la voix. J'ai dit Dieu est rentré à Zaroko. C'était ma parole. Un peuple, on se donne pour ce peuple. Corps, âme, esprit. Si je n'avais pas l'esprit de Dieu, j'étais déjà un homme mort. Parce que moi-même seul, je sais le combat que je mène. Je sais combien de fois les gens m'ont essayé par tous les moyens. Même jusqu'à la gendarmerie, jusqu'à chez le préfet, pour me chasser des Zaroko. Mais me voici. Parce que c'est Dieu qui m'a établi ici. On dit le temps est un autre nom de Dieu. Ils n'ont qu'à parler de toi. Si tu es dans le vrai, le temps te donnera la raison. Moi, je ne cherchais pas à me justifier. J'ai laissé le temps. Parler. Tout ce qu'ils avons prédit est venu. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut préparer une relève. Nos enfants doivent des cadres. C'est notre bataille. Si sortir à manger d'autres cadres, ok, ça c'est leur temps. Maintenant, on ne doit plus manger les cadres. Vous savez combien de fois j'étais toujours à Zaroko? J'organisais des compétitions de football. J'organisais des variétés scores version chrétienne pour sensibiliser la jeunesse à aimer vos villages. Je n'ai jamais dit aux gens quittez vos villages. J'ai toujours sensibilisé les gens du Bata que ça va aller.
Je n'ai jamais dit aux gens, régnez vos villages. C'est notre héritage, Zaroko. C'est notre héritage, le Vata. Oui, nous devons nous battre pour ça. Nous devons nous battre pour le développement. Je ne suis pas un homme politique. Je suis un homme religieux. Je crois à la puissance de Dieu. Or, si Dieu est puissant, il faut qu'il nous écoute. En nous apportant le développement. C'est notre bataille. C'est pas contre une église. C'est contre une personne. Non. Il faut que le village soit développé. Je n'accuse personne. J'accuse le diable. C'est le diable qui a mis le village en état. Or, quand Dieu rentre dans un village, il fait développer le village. Quand tu n'es pas important, on ne parle pas de toi. C'est quand tu es important, on parle de toi. Plus on parle de moi, il dit je suis important. Amen. Alléluia. Amen. Ce frère. Amen, oui. Lève-toi bien. Il s'appelle Monsieur John. Voilà, Monsieur John. Il est guéri. Guéri, Yoko. De Bangolo. Bangolo, non. Il n'est pas Dida. Oh, Dida, oui. Il nous a envoyé des affaires. Oh, là, les agneaux. Il vit en Allemagne, il est même allemand. En Allemagne. Il nous a envoyé des affaires. Oh, là, les agneaux. Il m'a déposé des affaires. Amen. Ça fait un mois, ça est là. Il est voyagé, il est revenu. Il dit non. Non. Ça là. Ça doit aller dans mon village. Il est venu. J'ai dit ça là, on ne peut pas laisser ça, Digo, non. Et que je dis. Les gens étaient chauds. Il dit non. On ne doit pas distribuer ça, Zaro. Nous avons une base. Amen. Amen. Je suis venu vous remettre ça officiellement, chef du village. C'est pour distraire la jeunesse. Dans le mois de décembre, nous aurons une grande compétition de football ici à Zara. J'ai invité une ONG qui va venir donner 3000 jouets aux enfants de Zara. Pourquoi? Parce que il faut permettre aux enfants de vivre. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que c'est les enfants de la ville seulement qui doivent s'amuser. Il faut leur donner l'espoir de vivre. Donc en novembre, je te donne ces ballons-là. Vous dites, on aura une compétition de football. Et tout va se passer maintenant désormais à Zaroko. On a mis là-bas, ça a échoué. Ça veut dire crasso. Tout ce que tu dois faire, c'est Zaroko. Zaroko doit devenir un centre de pèlerinage. Amen. Le frère. Il nous a donné des dons. Il n'est pas venu les bras ballants. Donc merci le frère John. Merci beaucoup. Voici le frère. Amen. Il me disait dans la voiture. Il a vu les choses dans la vidéo. Il va faire venir les blancs ici. Le village, il faut qu'on investisse. J'étais en train de parler avec lui. J'ai dit, il faut que nous tous, nous nous investissons dans le village. Il a compris. En nous. Il a compris. En nous.
faudrait pas que ça soit un don aujourd'hui. Non. Mais il faut que nous nous investissons dans le village. Parce que ça nous tient à cœur de suivre ce que le travail qu'on a commencé. Il faut que ça soit suivi. Il a gaïbé. Pour que demain on ait des ministres ici. C'est ce qu'on a fait. On veut tout débrouiller ainsi. Ah, c'est vrai. C'est possible. On dit tout est possible avec Dieu. La gomme quand il dit. Tout est possible. La gomme quand il dit. Amen. Donc on vous a donné ce don. Nous sommes en train de préparer un événement en début du mois d'octobre. Nous avons des kits scolaires à remettre ça officiellement à l'école de Zaro. Ça c'est le mois d'octobre. Au moment où les gens vont rentrer à l'école, nous allons vous donner des fournitures scolaires parce qu'il faut que les enfants partent à l'école. Donc, chef du village, franchement, il faut qu'il y ait une sensibilisation dans les cours. Il faut que les enfants commencent à aller à l'école parce que nous voulons voir des cadres à Zaro. Des médecins Zaroko, des sous-préfets, des préfets des régions, des ministres, nous voulons voir des cadres. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu à Zaroko. Voilà. Donc, nos mamans, c'est une sensibilisation. Nos petits-enfants, là, ils doivent aller à l'école. C'est la rentrée scolaire. Nous allons vous donner une contribution. Et nous allons préparer cette cérémonie pour donner cette contribution des fournitures scolaires pour vous faire avancer. Amen. Voilà, parce que pour nous c'est important de voir Zaroko en temps d'avancer. Le stade, il est sorti, il est là-bas, on l'a attrapé. Ça c'est parti. Amen. Ouais, parce que chaque chose a son temps. On a nettoyé le village. Il fallait ça. Il fallait matraquage, nettoyage. Ça crie. Ceux qui pouvaient se fâcher sont fâchés. Ceux qui insultaient sont insultés. C'est fini. Eh bien. On va maintenant à l'essentiel. C'est le développement. On doit être en paix entre nous. C'est ça le travail que je suis en train de faire. Donc en novembre, nous aurons une compétition. Le 25, on va organiser un grand concert ici. Un grand concert. Tout doit partir des Zaroko. C'est notre base. Divo, c'est l'administration. C'est notre base. C'est pour ça que le pasteur Philippe revient lundi. Amen. Le pasteur Philippe va venir réorganiser le système. Ce vendredi, elle n'aura pas d'éveillé. Le vendredi, si prochain. Parce qu'il a une semaine pour préparer. On va avoir une grande veillée. On va démarrer nos activités. Voilà, c'est important. Il est malade ou quoi? Faut qu'on prie. Il a bouillé. Au lieu de faire funérailles, on doit prier. Il a bouillé, bouillé. Voilà. Ça, c'est important pour nous. Même. On a trop pleuré. Alors, oui. Au lieu de veiller, regarder un corps. Nous devons veiller devant Dieu. Or, si nous ne prions pas, le village ne va jamais se développer. Si nous lâchons la prière, le diable prendra le dessus. Donc c'est cette semaine, le pasteur et son équipe va venir reprendre. C'est ça que Bruno est venu. Il y avait une équipe depuis hier. Nous allons reprendre nos activités. Et c'est parti. Zaroko est notre base. C'est du concret. Celui qui n'a pas des yeux pour voir, celui qui n'a pas voir. Avant Crasso et pendant Crasso. Fais la comparaison. C'est tout. Mais bon. Même si tu n'es pas crasso, il faut faire la comparaison au moins. L'eau que tu bois là, c'est ma prière. Amen. L'église, c'est pas dans la bouche. L'église, c'est manifester l'amour de Dieu. L'église, c'est le partage. Une église, il partage. Pas parole pas on est parce que Jésus a partagé. Nous, on est bloqué. C'est pas bluffé. Si tu es un peu, il faut partager. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Ah, Jésus, on a peu. Il dit, donnez-moi le peu. Là. Et le peu, là, Jésus a partagé ça à tout le monde.
Amen. On peut pas être en église. C'est une seule personne qui mange. Comment on a dit? On a des choses, on partage pas les gens. C'est quelle église? Amen. Donc chef, nous sommes de tout cœur avec vous. Je suis un enfant de Zaroko. Ça c'est clair. Il est du. C'est ici Zaroko. Oui ben Zaroko. Amen. Je vous dirai officiellement. C'est ici. C'est ici. Ma vie c'est ici. Ma vie c'est ici. Amen. Vous ne devez pas me combattre. Oui, vous ne devez pas me combattre. Vous devez m'aider. À vous aider. À réaliser beaucoup de choses. J'ai trop de choses dans la tête. Amen. J'ai trop de choses dans la tête. Regardez cette jeunesse, les enfants. Leur avenir. Ah oui, c'est ça. Leur avenir. Ils doivent avancer demain. C'est ça. Il faut les préparer à ne pas être méchants. Il faut les éduquer à ne pas pratiquer la sorcellerie. C'est ça. Chaque enfant va attraper son papa. Chaque machin va mailler sa maman. Vous allez voir que les décembre, là, c'est fini. Tout ça, là, c'est passé. On a tout détruit. On continuera de détruire ça. Si ça vient, on chasse ça. Un centre de pèlerinage. Façon les gens vont en Israël. Israël. Le monde se déplacera pour venir chercher le miracle de Dieu. Amen. Ici est un endroit béni. Amen. Je suis votre enfant, votre fils. Je ne suis pas votre diable. Voilà. Je ne suis pas votre diable. Depuis que je suis dans votre village, faites des femmes l'année dernière, j'ai habillé vos femmes. Merci de m'en insulter, la femme qui a habillé. Amen. C'est comme ça. Quand on gère un peu, c'est pas tout le monde qui a terminé. C'est là, quand vraiment on est pas bien au Amen. Donc, j'aime bien Zaroko. Et moi, vous dites Zaroko. Amen. Zaroko, c'est mon village. Je vais jamais oublier Zaroko. Bientôt, tu vas me donner mon terrain. J'ai commencé à construire ma village. Zaroko. Alléluia. Amen. Nous allons nous battre pour développer Zaroko. Amen. Nous allons nous battre. Allez, battre. Je suis en train de tout faire. Pour le dispensaire. Et je pense qu'en début de l'année prochaine, ça va aller. Les femmes de Zaroko. Ouais.
Que Dieu bénisse à repos. Joël Crasso et sa délégation. Amen. Sur ce, nous avons deux bouteilles de coca, y compris une bouteille de... quatre bouteilles de sucrerie pour qu'il puisse rafraîchir un peu la gorge avec sa délégation. Plus une bouteille d'eau. Il a presque tout dit. Au nom de la population des Aroko et au nom de toutes les femmes des Aroko, je voudrais remercier le prophète Joël Crasso et sa délégation. Et notre frère qui vient de se joindre aujourd'hui à nous. Très bien, il est notre frère maintenant. Il est notre frère. Je lui dis merci. Amen. Merci et merci. Amen. Je vais en même temps m'adresser au monde entier parce que nous sommes vraiment sauvés. Ce village des Aroko a connu dans le passé beaucoup de problèmes. Les gens ont tellement pleuré ici. C'est ainsi que Dieu, dans sa souveraineté, nous a envoyés ici. C'est vrai que ce n'était pas facile au départ. Mais au fil du temps, le Seigneur a commencé à imposer lui-même sa seigneurie à ce village. Voilà, donc le village de Jaroko, c'est un beau village. Et c'est vraiment un coin même à découvrir. Donc, on appelle tout le monde entier. C'est un lieu de pèlerinage. Voilà, ici Dieu guérit les malades. Ici Dieu délivre les gens. Vous pouvez me faire des dons. On n'a pas forcément passé par le Crasso. Il y a des passages en Côte d'Ivoire. Divo et Jaroko, ça 40 km. Vous vous rendrez ici à Jaroko, vous demandez la chefferie, vous présentez vos présents, vos dons à Jaroko, parce que nous tous avons besoin de contribuer pour faire développer ce village. Il faut que ce village soit pratiquement développé. Moi, je pense aux enfants, là, leur avenir. Et ça, c'est vraiment important. Il est maintenant. Il faudrait que ces enfants-là soient devenus tout le monde esprit. Oui, il va parler, nos frères. On va bien, Et puis, Nous avons dit grâce aux œuvres
On est dans le famille, on est près dans le famille. On connaît Zaroko. Mais il est Zaroko, il n'est que Valman. Donc, j'ai décidé de venir. Et pour ça, quand il est Zaroko, il est Malamé. Qu'est-ce que Zaroko? Zaroko, on est arrivé. Quand j'ai vu. Il y a un yé, il y a vraiment très plaisant. Et même l'Amérique, ça. Je sais que Dieu est présent. Et quoi, la repose, hein? Mais tout. Grâce à son serviteur. Oh non, il y a beau, mais. Prophète Kasso. Kasso, mais. Vraiment. Prenez-le au sérieux. Ah, il va bien encore. Voilà. Il est très important. On est là, il est très important. Si ce n'est pas le prophète Kasso, moi, je suis pas ici. Moi, je suis pas ici. Il n'a pas ici. Mais ça m'a donné l'envie. Il n'y a même pas de là-bas. De construire ma maison. Et ça, dans ce pays. Il a joué. Il m'a appelé. Oui, il m'a appelé. Il m'a appelé. Il a joué la carte d'Agoui. Il a joué la carte d'Agoui. C'est comme chez les musulmans, la Mecque. Et vous l'avez fait. Quand il y a un mec, il y a un gars. C'est ça que vous ne pouvez pas. C'est un lieu de pèlerinage ici. Mais il y a pas d'accord. Tout le monde a envie de venir. Comment on y va? Parce que le miracle qu'il fait, il va devenir non, non. Grâce à Dieu, la gonine, ça attire tout le monde. Et là, pourquoi? D'accord, comment ça va? Il nous dit de prier tout. Et il y a un bouvet, on est là. Pas ça, le prophète. Maman, il n'y a pas Zaroko. Zaroko, il y a quoi? Donc, prenez-le au sérieux. Donc, à bien encore. Parlez à vos frères. Ah, ça, non, il a dit, il a dit. Fait obstacle. Ouais, bien, oui, il y a pas de Dieu. C'est aller contre Dieu. C'est pas Dieu, mais Dieu l'utilise. Moi, d'accord, il a compris, il a compris. Non, c'est ce que j'ai ajouté. Il y a un mec en cabane. Il est petit devant vous. Oh, le yo, un yo. Il est grand. Moi, il est cadeau. La gonne, il est cadeau. Il est le représentant de Jésus. Je dis, compagnon, mais. C'est comme. Il ne fait pas la politique, c'est comme. Et nos politiques, mais quoi, Alassane? Il est plus que lui. Oh, les gars, moi. Ça, Alassane, on a dit, tout le monde va attendre. Attends, quand il parle, il est. Mais moi, ben, attends, il y a le nom de Dieu. Fais la gagner pour un nom, il y a un nom. Il y a un nom, mais les gars. Merci, prophète. Et vous parlez de la prophète. Toi, maintenant, tu es un nom de Zaroko. Il y a un nom de Zaroko. Je vais pas prier.